Monsieur Tremblay, je m'attendais à ce que vous veniez ce soir. Vous avez des liens avec ce cher Subrac. Oui, bien, me voici. Je suis venu donner mon témoignage. Je le sais. Soyez prévenus, vous me croirez sûrement fou après que je vous ai raconté mon point de vue de cette histoire qui me paraît à moi-même invraisemblable. Cependant, je fais confiance à mes yeux. J'ai vu ce que j'ai vu. Alors, dans ce cas, commençons. Je n'ai pas de temps à perdre. Hey, bonjour, mon ami. Ah, bonjour. Bref, comment vous? Bien, et vous? Très bien. Une question que je me pose depuis très longtemps. Laquelle? Pourquoi portez-vous cette tenue ridicule? Pour me délester plus rapidement. Pourquoi voulez-vous me délester rapidement? Si seulement vous le saviez. Eh bien, je veux le savoir. Désolé, je dois vous quitter. Au revoir. Ah, au revoir. Merci beaucoup. De rien. Pourquoi donc le tissu de Vatis rapidement? Y a-t-il personne dans cette rue? Où êtes-vous? Ici! Y a-t-il personne? Y'a personne, mon cher ami, vous pouvez sortir. Bonjour. Ah, c'est vous. Vous avez l'air étonné. Oui. Maintenant, vous savez pourquoi je m'habille de manière aussi bizarre. Mais vous ne savez pas comment j'ai disparu. Eh bien, c'est très simple. La nature a pourvu les animaux incapables de se défendre de manière de se camoufler. Par exemple, certains papillons se camouflent avec les fleurs, d'autres insectes, des insectes avec les feuilles, et le lièvre polaire prend la couleur des glaciers. Eh bien, moi, qui me suis fait chasser pendant de nombreuses années par un ennemi incroyable, je me fonds sur les murs. Bien sûr, je dois être nu pour ça, mais ça m'a été très utile. Mon cher, j'ai exercé cette habileté pour la première fois il y a un certain nombre d'années de ça. Ah oui! Oh! 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 Chérie? Chérie? Ah oui! Chérie? Oh, chérie, t'es déjà de retour? You! Le mari, ne m'ayant pas tué, me chasse partout à travers Paris. J'ai déjà utilisé plusieurs fois cette habileté pour m'enfuir. Dernièrement, juste avant que vous arriviez, il était sur ma trace et je n'ai eu que le temps de me confondre sur un mur après avoir enlevé mes vêtements.
Il est passé, a regardé curieusement mes sandales et ma houppelande et a continué son chemin. Eh bien, mon cher, vous me surprenez, vous êtes spectaculaire. Puis-je vous demander comment vous avez développé cette faculté? Je ne sais pas, mais je crois qu'il faut être en forme comme moi. Et il faut beaucoup de concentration. Il faut penser comme le mur, être le mur. Eh bien, désolé, je dois partir avant que le mari me trouve. Au revoir. Tremblez! Oui. Il y a mes trousses. J'ai essayé de m'enfuir, mais l'homme. Ok. Il vous reste une chose à faire. Fuyez, partez d'ici. Laissez-moi sur vos affaires et enfuyez-vous, ok? Accompagnez-moi. D'accord, d'accord. Venez. Oh, aujourd'hui. Oui. Décidément, votre Subrac était particulier, tremblé. Je peux comprendre que vous soyez incrédule à cette histoire, mais je vous le jure que c'est ce que mes yeux ont vu.
Ce sera une histoire dure à avaler, Tremblay. Que vous me croyez ou non, m'importe peu. J'ai fait mon devoir et maintenant je m'en vais. Au revoir, Tremblay.